Alléluia. Amen. Je m'appelle Maman Annie, je suis venue de Londres. Je suis venue chercher ma bénédiction pour moi et pour ma famille. Amen. Clamons le Seigneur. Comment tu nous as connus? Une sœur qui habite les États-Unis m'avait parlé de sa situation, en fait, elle m'a donné les témoignages de ce qu'elle traversait dans la vie. Dans les prières, on l'a conseillé, il faut chercher les hommes de Dieu, il faut chercher qui peut te délivrer. Ça doit être des problèmes spirituels. Alors que quelqu'un lui avait passé le téléphone de Papa Matanzou, elle a eu contact. Dans les prières, Dieu a révélé au travers de Papa Matanzou qu'elle portait une bague, l'alliance, qu'elle devait enlever de son doigt. Alors qu'elle enleva cette bague, par après, elle m'a raconté que la bague qu'elle avait portée pendant son mariage a été donnée à son mari par sa grand-mère. Vous comprenez? Alors que... Son mari... Alors qu'il voulait épouser sa femme, ils allaient pour acheter des alliances. Il va dire à sa femme, non, selon notre coutume, tu dois porter l'alliance de ma grand-mère. C'est pas juste ça. Moi, je ne savais pas. Je ne l'ai jamais vu. Comme ça, je le vois seulement maintenant sur Facebook. Mais je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si elle est plus grande qu'elle ou elle est petite. Les photos ne disent pas toute la vérité. Mais quand je l'ai entendu au téléphone, c'est vrai. Je lui ai dit, enlève cette bague-là. Continue. Et puis, elle me raconta, quand elle avait enlevé la bague, le lendemain, la cousine à son mari est venue lui voir pour lui demander où est-ce qu'elle a mis la bague. Comment savait-elle que la bague a été enlevée? Et puis, elle disait à sa belle-sœur, que j'ai enlevé puisque je faisais des travaux, elle dit non, nous on a vu comment vous avez enlevé. Ils ont vu comment elle a enlevé. Tu sais que tu n'as pas enlevé ça d'une façon normale, nous savons, il faut que tu me dises pourquoi, qui tu es en train de parler. Et le soir même, son mari qui vient commence à le menacer, avec qui tu es en train de parler, où est ta bague? Elle dit bon, j'ai enlevé, non, elle dit non, arrête, je sais que quelqu'un t'a conseillé d'enlever la bague. Et nous voulons savoir qui il est. Et la belle-sœur avait quand même confessé que eux, dans leur famille, ça ne se cache pas, ils font de witchcraft. Witchcraft, la sorcellerie. Ouais, ils ont ça.
Et puis, dans des conversations, pendant qu'elle était ensemble avec son mari, il y a son mari qui lui disait, à ma soeur là, la copine, ma soeur en Christ, lui disait, toi, tu te lamentes pour rien. Si tu savais comment c'est Dieu là te couvre, tu n'allais pas te lamenter. Et comme ça, tu comprends? T'allais prier et glorifier ces dieux-là. Au coco, il m'a imité pour ce qu'il y a pas qui a zana yo, mais le il m'a imité, mais le coup il Voilà ce qui m'a attiré à cette sœur. Voilà ce qui m'a approché à cette sœur. Elle est devenue comme une petite sœur à moi. Et nous prions. Et son témoignage m'a beaucoup fortifié, ça m'a amené dans une autre dimension. Bien-aimée, je prie à ce qu'elle vienne. Amen. Vous serez vraiment immensely blessed. Alléluia. Son témoignage est vraiment édifiant de cette soeur. Elle va venir ici, je pense, deux mois comme ça. Ouais. Et il faut qu'elle écrive un livre. Elle vivait avec un démon. Pas quelqu'un qui est possédé de démon, mais un démon en personne. Et son propre fils de 8 ans voyait son père parler avec quelqu'un d'invisible. Et cette personne entrait en son père et continuait à parler avec. Et il planifiait comment sacrifier sa maman. Alors que moi, je ne savais pas. L'esprit me dit qu'elle vit avec un démon. Je lui ai dit, ne sors pas de cette maison-là. Parce que si tu quittes le foyer, toi tu seras condamné. Reste là jusqu'à ce que Dieu lui-même viendra te délivrer. Quelques mois plus tard, c'est la police qui était venue faire sortir cette femme de la maison. Amen. En lui disant que tu es en danger. C'est comme ça. Oui, c'est vrai. Et jusqu'aujourd'hui, elle est libérée. Amen. C'est une force de ténèbres. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'elle m'a pris le téléphone. Elle voulait que je me dise aussi les choses qui se passent dans sa famille. Alors que moi, Dieu ne révélait rien pour elle. Chaque fois, je lui disais, prie seulement. Moi, Dieu ne m'a rien dit pour toi. Mais le Seigneur est avec toi. Jusqu'à hier, quand elle a décidé de quitter l'Angleterre, elle est venue ici. Et c'est ici. Et Dieu avait révélé ce qui s'est passé dans sa vie. Le don qui se cache en toi. Tu dois prêcher l'évangile de Christ depuis longtemps. Dieu t'entend dans le champ de bataille. C'est la seule vérité que j'ai. Et toi, tu sais ça? Deux fois, je crois que j'ai l'ambition. Est-ce que tu as déjà entendu quelque chose de pareil? Non. C'était le langage de Dieu.
y a une grâce sur ta vie. Et tu es une étoile. Une étoile protectrice. C'est pourquoi le serpent l'a débouché. Mais quand je te disais, quelqu'un t'avait déjà parlé de ce que j'avais dit ici. Toi, tu avais oublié, tu l'as aussi. Je voulais juste confirmer, juste avant qu'il parla, à Kinshasa, il y a une dame qui prie aussi, qui m'avait regardé, m'a dit, toi, tu es quelqu'un qui est toujours entouré avec beaucoup de monde et les gens viennent chercher de l'aide chez toi et tu les accordes. Tu as un grand cœur. Mais je te dirai une chose. Sache que toi, tu es maman Moulou. Alors, puisque mes parents étaient vraiment en Jésus, nous savions, bien qu'on n'était pas kimbanguistes, on savait papa, qui papa Simon Kimbangu était et sa femme. Tout de suite, j'ai compris que maman Moulou, c'est la femme de papa Simon Kimbangu qui fut le prophète au Congo. Elle me dit que toi, tu seras une servante de Dieu. Tu vas prier et ton cœur, ton grand cœur, il y aura beaucoup de monde. Pas seulement ta famille restreinte, il y aura besoin de toi, mais tout le monde. C'est voilà. Pas ça que j'ai dit hier ici. Amen. Tu étais là, même déjà. Alléluia. Mais comme le diable enlève toujours les pensées des gens, elle avait oublié toutes ces paroles qu'on lui avait dit. Si vous oubliez les prophéties qu'on vous donne, vous ne serez pas marché dans votre destinée. Vous allez tourner en rond jusqu'à ce que votre esprit se réveille et vous allez comprendre et dire maintenant c'est fini. Je dois aller toucher à la destinée qui a été préparée pour moi. C'est comme ça que les choses arrivent. C'est pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. C'est comme ça. Jésus t'aime. J'ai entendu le Seigneur me dire de prier pour toi. Mais après, je t'ai vu sortir. J'ai dit donc, ce n'est pas pour lui. Je croyais que tu es parti. Quand je t'ai vu retourner, j'ai compris, mais je dois faire ça. Si je ne fais pas ça, je me culpabilise. Ce n'est pas pour te faire peur. Peur là. Mais je vis un projet contre toi. Je veux seulement arrêter ce projet. Que ce soit, tu pries ailleurs, mais en tant que serviteur éternel. Si je vois l'épée venir contre toi, je dois l'avertir et enlever cela. Mais si tu ne comprends pas Dieu, plus tard tu comprends. Je vais m'y arriver. Les gens ne connaissent pas la valeur qu'ils ont. C'est pourquoi tu veux dire qu'ils ont. Dieu lui-même connaît la valeur. Il connaît la valeur. Je peux voir un démon de l'alcool. Un géant démon de l'alcool. Mais pendant que je parle, il a mal. Come on! 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 Dans cet homme. Je ne sais pas quelle est la vie de cet homme, mais je vois en lui un homme très intelligent. Je vois une capacité intellectuelle avancée. C'est extraordinaire.
cet homme ne peut pas mourir comme ça, c'est impossible. C'est vraiment dégueulasse. Je ne sais pas ce que je vois là. Je vois une capacité extraordinaire. Saint-Esprit de Dieu, cet homme ne peut pas mourir comme ça, c'est dangereux. Mon Père, glorifie ton nom dans la vie. Il est enchaîné. Mais là, regardez-moi. Cet homme est enchaîné. Il est enchaîné quelque part. Tu as vu le chef quelque part. Mais maintenant même, en qualité de serviteur de Dieu, j'entends ce chef de ce monde. Maintenant, je fais le travail. Il veut le rendre, faire de lui un clochard. Et il me dit comme ça. Vous voulez faire des sacrifices. Il y a un homme qui était mort ici en France. C'était un grand peintre. Vous avez suivi sa vie. Il avait fait des cadres, des tapis. On ne connaissait pas ce qu'on disait. Et quand il est mort, j'ai vu sur le maître, on a estimé ses paroles. Yes. Quelqu'un dit ça? Et c'est la même chose avec cet homme. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas au bon séjour. C'est-à-dire que si Dieu ne vient pas à son aide, quand il ne sera plus là, c'est là qu'ils vont comprendre qu'il y a des thèses. Tu le connais? Par 5 ans. 5 ans. Acclamons le Seigneur. Ton problème, c'est fini. Amen.